concrétise par rapport à un financement, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, financement de participation de la Fondation du patrimoine. Donc, M. Hérault va peut-être nous en dire un petit peu plus sur la municipalité heureuse d'accueillir les amis du Vieux Château, parce que c'est un partenariat à trois, on va dire, hein, amis du Vieux Château, Fondation du patrimoine et mairie, pour tout ça pour, bien sûr, notre château. Continuer à vivre, continuer à être présent sur notre site de la commune et surtout faire en sorte que les travaux puissent commencer, puisque nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour commencer à parler finances, parce qu'il faut bien en parler par rapport au projet, plus qu'un projet aujourd'hui, puisque les finances ont été votées au budget de la municipalité pour faire les premiers travaux sur la première tour et la première courtine. Donc je vous passe la parole, M. Hérault, si vous voulez dire un mot là-dessus. C'est assez simple, puisque donc, nous avons signé une convention de souscription. Donc, nous avons recueilli des dons qui, pour l'instant, avoisinent à peu près 5% du montant des travaux. Dès donc que ce 5% est dépassé, la Fondation du patrimoine est susceptible d'abonder sur son argent qu'elle reçoit en fait de l'État. Hein, c'est de l'argent de l'État. Et donc, nous avons ouvert et nous avons signé, ouvert, donc, un financement de 10 000 euros, soit à peu près 5% de la tranche de travaux. Voilà, donc je pense que ce sera effectif. Pour l'instant, il y a cette petite règle des 5%, mais dans très peu de temps, puisqu'il suffit que la souscription augmente simplement de 600 ou 700 euros, j'ai plus les chiffres en tête à peu près. Donc, passe de 8 300 euros déjà récoltés à 9 000, et à ce moment-là, la Fondation du patrimoine versera, elle, 10 000 euros. Donc, on peut en profiter pour faire un appel aussi à la générosité populaire, entre parenthèses. En sachant, et je peux en citer comme quelques-uns, entre autres, deux associations de la commune de Compiègne, l'AJC, les jeunes de Compiègne, et le tennis de table qui participent à la fête médiévale. On souhaitait donc donner pour l'un 200 euros et l'autre 400 euros, pour la réalisation de ces travaux. Et les entreprises peuvent aussi participer, hein, puisque pour chaque entreprise qui participe, il y a aussi une déduction fiscale non négligeable, puisque nous avons la Socova TP qui a aussi participé à hauteur de 1500 euros. Donc ce sont des exemples à suivre. N'hésitez pas, chers Compiègnois, chers entreprises Compiègnois, à participer. Pour faire en sorte d'atteindre les fameux 5%, mais comme a dit M. Hérault, nous ne sommes pas loin. Ce matin, nous sommes à 8 636,50 €, donc il suffit d'un petit geste supplémentaire pour atteindre les 5%, mais on peut dépasser les 5%, ne nous arrêtons pas surtout à 5%. Ça ne lui importe. Une fois les 5% atteints, nous pourrons atteindre les 6, voire les 10%, ça ne nous gêne pas, au contraire, nous sommes prêts à... Et tout ça dans un but quand même important, c'est de défendre notre patrimoine communal, qui est pour l'instant le château, notre site emblématique de notre commune. Est-ce aussi parce que ça permet de faire évoluer l'argent qui est sur la fondation du patrimoine, où les amis du vieux château ont déjà donné oui. Et vont encore réabonder aussi. Hein. Oui, quand je parle des associations, bien sûr, les amis du vieux château sont de fait à l'intérieur aussi. C'est vrai que c'est important de voir que des associations qui bénéficient aussi du site, puisqu'elles participent lors des festivals. Donc, ma foi, pour les autres. On espère que les autres nous parlent. Voilà, non, c'est simplement pour lancer un appel. Bon, on peut signer, M. Hérault ? Pas de problème. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, pour les paris. Les travaux commencent quand ? Et lorsque ce sera fait, nous déjà une première étape, la première étape à franchir, et après.
là, il y a les fêtes médiévales et puis il y a les différentes fêtes l'été, et il serait malvenu de faire commencer les travaux pendant ces fêtes. Donc c'est plutôt dernière partie de cette année 2018. Merci.